tu fais souffrir la femme. C'est pas ta petite soeur. Non, non, c'est la vérité, je t'ai dit. Disons-le la vérité, c'est pas ta petite soeur. Excusez-moi, la petite sexuelle, c'est naturel. Et ça renforce l'amour. Alors, si elle a besoin de toi, il faut la satisfaire. Tu l'as pas envoyé dans la maison ici, c'est où est-ce que la voiture, t'as mis au garage. C'est pas ta petite soeur. Si vous avez envie de votre mari, vous le touchez, et puis il y a une manière de faire aussi tout ça. À la longue, on va vous apprendre tout ça. Oui, allons-y. Ne vous privez point l'un de l'autre. La Bible même dit, ne vous privez plus loin l'un de l'autre. Allons-y. Si ce n'est d'un commun accord. On doit s'entendre pour se priver là. Ok, on est d'accord que cette période-là, on ne se touche pas. C'est-à-dire que vous devez vous entendre. Si ma grande dit non, ok, vous laissez un peu de privation. Vous devez vous entendre. Allons-y. Pour un temps. Pour un temps. La Bible est pour un temps. Allons-y. Afin de partir à la prière. Et qu'on fait là, ça fait qu'on est en train de prier. Si on ne prie pas, on doit partager nos corps. Puis retourner ensemble. Ami, puis retourner ensemble. De peur que Satan ne vous tente. Hein? En votre. Mais si on ne le fait pas, ça doit venir. Amen. Vous avez compris? Est-ce que vous m'avez saisi? Non, tu sais, pardon, je suis fatigué. J'ai pilé, crève. On fait comme ça. Puis épiler pour tout. Le soir quand j'ai venu, j'ai fait poisson la braise. J'ai lavé les enfants, j'ai fatigué. Hein? C'est fini. J'ai acheté le monsieur Dior. Oh, c'est que Dior là-bas, là, il ne s'amuse pas. Il est bloqué là-bas. Il va venir donner le sujet de prière. Mon mari a fui. Depuis, ça fait 3 jours. Il est Dior. Il n'envoie que l'argent seulement. On a compris. Tu vois, il y a un sujet illégal. J'ai dit, Régis, j'ai compris, j'ai pris pour toi. Là, c'est que tu as fait le monsieur la nuit, là, tu l'as séquestré. T'as jamais se met à genoux, pardon, tu veux pas. Ok. Là où il n'y a pas de bruit, là, tu ne veux pas là-bas. Il y a des choses que tu ne veux pas faire. Qu'on a décidé de vivre ensemble, monsieur et madame, si vous ne respectez pas ça, le diable rentre. Tu ne sais pas qu'il est gêne. Tu peux mettre mes douches. Non, tu dois t'entendre ton mari en train d'aller gêner. Amen. Amen. Il est gêne. Tu dois mettre tes possédés. Tu vois, le monsieur est possédé. Pourquoi? Tu as demandé à permettre ça à qui? Tu es possédé, tu es allé le prendre. Elle le voit posséder. Le corps que tu as là, ça ne t'appartient pas. Alléluia. Le jour où il a besoin de toi, si tu veux aller gêner, tu dis, monsieur, tu disais, moi je dois gêner. Tu vas te comprendre. Si tu ne comprends pas, vraiment, vous l'envoyez le délivrer. Parce que les gens, même souvent, sont possédés. Alléluia. Donc il y a des choses. Si vous ne respectez pas, le diable rentre. Il rentre. Or, quand vous donnez l'occasion de faire, il frappe. Vous voyez le diable, la langue te cherche. Il cherche une occasion. Il trouve que, les deux ne s'entendent plus. Oh là là, il frappe. Un coup fatal. C'est fini. Or, là où on ne s'entend plus, monsieur, madame ne s'entend plus, c'est fini. Satan s'installe. Et puis, c'est difficile. Pour revenir ensemble, c'est fini. Il met un système en place où vous savez où il y a. On est fâché, on ne veut plus entendre parler de l'eau, c'est fini. Et c'est fini, et c'est fini. C'est ça que faites très attention. Amen. Vous devez avoir le discernement. Or, la cible du diable, c'est le foyer. Une fois la frapper, le foyer, c'est fini. Les enfants, eux-mêmes, sont victimes. Ils gagnent tout le monde. Or, le diable est là, le diable le sorcier, il vous regarde. S'il vous plaît, ne privez pas votre femme. Si elle vous touche, ok. C'est ce que la Bible dit. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Amen. Si tu es malade, viens prier pour toi. Puis Dieu va te délivrer. Sinon, ta femme, là, c'est pas ta petite soeur. Mais c'est la vérité, il y a des gens qui souffrent dans les maisons, elles ne peuvent rien dire. Ok, il sort dehors, la petite là, il l'embrasse là-bas, puis il revient le soir, et puis il dort. Un sorcier, il est là. Il est à l'aise dehors.
il prie sa femme. Il dort, il dit, il est fatigué. C'est de la sorcellerie. Or, quand la femme dort, elle peut réfléchir. Vous savez que quand la nuit, là, il y a trop de choses qui viennent dans la tête des gens. Elle a envie d'essayer un peu. Or, quand on va essayer, là, on reste là-bas. Tu m'as bien saisi. Ne donnez pas à Satan l'occasion de vous frapper. Satan est trop intelligent. C'est ça qu'on l'appelle le malin. Il est très rusé. Il sait comment t'avoir. Amen. C'est pour ça que dans les couples, ne jouez pas à ça. L'attente. Or, si on ne s'attend plus, qu'on va partager le même lit, c'est fini. Notre maison devient l'atelier de Satan. C'est pour ça que quand tu n'aimes plus une personne, il ne faut pas vivre sur son toit. Ou bien, je vous dis la vérité. Il y a des gens, c'est le système, c'est en Europe. Monsieur et madame sont séparés, ils ont la même maison. C'est tout ce que j'ai dit. Oh. Vous ne savez pas des bagages. C'est votre maison de mer, le temple de. Le pas le temple, mais l'atelier de Satan. Vous-même, vous savez que vous ne vous aimez plus. Mais vous êtes ensemble. C'est-à-dire que tous les problèmes, c'est dans la maison. Vous allez voir que vous allez voir les problèmes financiers parce que l'atmosphère est négative dans la maison. Monsieur et madame, dans la tête, sont déjà séparés. Mais ils sont ensemble, dans la même maison. Mais c'est fini. Les enfants vont avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes de travail. Vous allez avoir, les choses vont commencer à se multiplier. Laissez-nous tranquilles. Non, il faut prier pour nous. Non. Mais déjà, la maison, la famille, mais c'est des. Là, le diable, tout, il faut que j'attaque. Malgré vos prières, vous êtes attaqué parce que vous vivez sur un territoire où Satan est miné par Satan. C'est ça que la Bible dit, séparez-vous. Amen. Est-ce que vous m'avez saisi? C'est une occasion, Satan d'agir. Tu n'aimes plus le monsieur. Allez, allez, allez. Je ne vous ai pas demandé de divorcer. Non, je ne parle pas de divorce. Je vous dis, quand tu veux aller marier quelqu'un, il faut bien réfléchir. Vous savez, moi, je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore marié. Oui. Allez, pour se marier, là, on réfléchit bien. Est-ce que Ozoa est désarmé? Est-ce que Lance Roquette est quitté de sa bouche? Oh, c'est la femme qui construit l'homme. Amen. Moi, je connais mon tempérament, c'est un peu chaud. Moi, je ne veux pas une femme qui est chaud comme moi. Ah, mais tu es. Mais c'est vrai. Si tu connais ton tempérament, tu ne vas pas chercher une femme qui a le même tempérament. Comme toi. Oh, c'est plus et moins qui vont ensemble. Pour rien. Plus, va faire masse. Moi, je suis déjà chaud. Tu as envoyé chaud, c'est pas là. Amen. C'est comme ça. Donc, avant de démarrer, il faut réfléchir. Qui parle, elle a 5. Elle a 5 pour s'expliquer. Qui parle, elle a 10, elle a 1000. C'est des fois ça. Souvent, il y a les foyers, il dit, mais ça, c'est la comédie, c'est le théâtre, il est dans un effet. C'est pas mariage. C'est théâtre. Mariage, c'est sacré. Mais c'est théâtre, il est dans un effet. Mais si on peut de l'eau. Faut passer, on est passé. La porte même, il y a déjà un problème. Chacun ne peut pas toucher son ami. Chacun ne peut pas toucher son ami. L'autre veut son ami en Satan. L'autre veut son ami en sorcière. Sorcière. Où est-ce que tu. Faut passer. Faut pas m'envoyer malheur. Tu vois, quand ça t'énerve, tu parles mal. Tu l'insultes là, si là. Tu l'insultes. Puis tu s'accalmes ton cœur. Il est mal parlé aujourd'hui. Je cherchais ça. Moi, il dit c'est théâtre. C'est théâtre, tu es dans les nerfs. Tu m'as envoyé. C'est pour ça qu'il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. Le jour où il y a voix aux oies, je vais m'amuser avec elle. Amen. Faut bien réfléchir. Avant d'aller te marier. Oh, le mariage, c'est un bonheur. C'est le bonheur. C'est pour ça que là-bas, il ne faut pas échouer. Si tu échoues, c'est toute ta vie qui t'attend. Que Dieu nous aide. Amen. Oh, c'est là-bas, c'est la cible du diable. On dit amen. Amen. On m'a bien saisi. Amen. Arrêtez de faire le mur de Berlin. Les Allemands ont cassé pour eux. Cassé pour vous, amen. 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 Vous mettez un mur entre vous et monsieur, et quand vous touchez, vous parlez. Si vous avez divorcé, ne vivez plus dans la même maison.
Sinon, c'est un problème, vous envoyez. Chacun passe mal de son camarade. C'est-à-dire, vous ne partagez pas la même maison, mais chacun là passe mal de son ami. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est Satan qui est là. Amen. On dit amen. Amen. Est-ce que vous m'avez saisi? Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons écouter les mangeurs d'âme. Nous, on les appelle plus sorciers, on appelle les mangeurs d'âme. Quand ils sont des sorciers, vous avez l'air comme joli. Eux, ils mangent âme. Pendant qu'ils mangent poisson thon ou dagina, eux, ils mangent âme de l'homme. Ici, nous les délivrons. La meilleure stratégie, c'est de permettre aux sorciers de parler. Quand eux, ils parlent, ça détruit leur pouvoir. Or, ils sont partis dans une société secrète. Une société secrète. Là-bas où ils sont là, il y a des choses qu'ils ne doivent pas dire. C'est des secrets. Donc quand il vient comme ça, le sorcier parle, il dit, tu sais, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose, ça brise le pacte. Ça brise. C'est ça que nous amenons à faire les sorciers, les affaires publiques. Pas parce qu'on a envie de les éviter. Non, c'est un remède. On est soigné. C'est pas même monsieur, un docteur, qui veut te faire piquer, tu ne veux pas qu'il en ait pour pointer tes fesses. Excusez-moi. Il a fait piquer là-haut. Non, faut pas faire piquer. Mais là, mais... Non, mais pourtant, il y a les piquets, on ne fait pas sur le bras, c'est forcément les fesses. Non, je suis sorcier, mais il ne parle pas. Mais tu ne vas pas délivrer. Comment il est sorcier, mais il n'est jamais tué, il ment. Est-ce quand quelqu'un est sorti, c'est qu'il a déjà tué. Amen. Amen. Voilà, nous allons les écouter. Pas pour les humilier, mais pour aider, non seulement sur le sorcier, et puis aider les victimes. Amen. Amen. Voilà, nous allons commencer par la fille. Viens ici. Tu es une mangeuse d'âme. Prends le micro. Hein? C'est sur notre territoire ici. Prends le micro, allez. Mets le micro là. Comment t'appelles? Là-bas, ils sont têtus. Donc, ils pensent que c'est la même chose. Dis-moi moins. Hein? Donc, il faut aller doucement. Comment t'appelles? C'est Edith. Edith. Tu es. Je suis sorcière. Hein? Je suis sorcière. Ça veut dire quoi? Je tue. Vous voyez que le sujet commence à être sérieux. Or, quand on dit on tue, c'est sérieux. Parce que l'homme a droit à la vie. Donc quand on dit on tue là, le sujet commence sérieux. Or c'est caractérisé par ça, tuer. Pendant que tu te lèves matin, tu prends canne, la pêche, tu vas payer poisson, tu vas attraper poisson. Comme ça, ils te cherchent pour t'attraper. Allons-y. Oui, je tue, je gâte. Tu tues, tu gâtes. Qui t'a donné la sorcellerie? C'est mon grand-père. Comment il t'a donné? En train de manger, c'est pas il m'a donné. Est-ce que vous attendez ça, vous le comprenez? Elle dit quoi? C'est la nuit. En train de manger ça, il m'a donné ça. Quand il m'a donné ça, viens là. C'est la nuit où manger où? Non, c'était de la journée. Non, c'est la nuit, mais la nuit après, il est venu me chercher. Vous avez mangé la journée et puis qu'est-ce qui s'est passé? Elle, on a déjà son dossier, alors qu'on a son dossier. Donc, on va, vous savez, un dossier peut prendre un mois, deux mois. Ça dépend des éléments qu'on recherche. C'est pour ça que quand vous n'êtes pas patient, il sera difficile de vous aider. Ou bien un sorcier qui t'a bien mangé. Elle n'a qu'à enlever ça un jour dans son ventre. Vous n'êtes pas patient. Oh, il y a des combats. Quand j'ai fini ici, il y a des combats que moi j'ai dit. Je vais avoir tous les éléments. Quels sont ceux qui sont dans la confrérie? Une fois j'ai toutes ces pistes. La personne l'a mangé quand? Et c'est quand? Qui a partagé la chair? Qui a mangé telle chose? Une fois il y a tous les éléments, je dis ok, viens. Je règle ça avant de venir ici. Si je te dis c'est fini, c'est fini. Amen. Amen. Sinon, les gens ont prié pour vous. Non, allez prier. Et c'est ça qu'on appelle prier. Nous, on apporte solution. Dans des situations où je suis obligé d'aller doucement.
Parce que le rythme, là, j'ai besoin d'avoir tous les éléments pour vous aider. C'est aide. Oh, le ministère, là, c'est pas un petit ministère, c'est pas un sorcier. Il a déjà mangé viande. Et sous sa rachide. Tu dois t'avoir une vomi ça. Amen. Il faut avoir tout. Or, quand tu commences à le combattre, lui, il t'attaque. C'est ça que les gens me regardent. Tu vas arriver jusqu'à où est ça? Tu vas commencer à changer les gars. Je lui ai dit, Dieu, là, il ne faut pas passer les bêtes. Dieu sait que moi, j'ai une longue vie. C'est ça qui m'a donné le pouvoir pour attaquer son chien. Il n'est pas. Façon de calculer, là. Vos calculs, là, Dieu a fini en mathématiques. Si c'est vrai que si c'est bien que les sorciers vont manger, il n'y a pas duré là. Il n'y a pas besoin de ce pouvoir. Et ça lui va avec la honte. Et moi, je cherchais à voir, moi, il m'a arrêté sorcier, tu as fait quoi, il a dit. Ça, c'est travail, ça. Toi, tu vas à la maison, tu es fâché, seul. Mais c'est les salutes, on écoute tout le monde. C'est pas travail, je m'en ai dit, mais tu dis, c'est quel travail, ça. Pour longueur des journées, c'est les conneries dont on a oublié de partir par moment, se déplacer. C'est pour ça que quand les gens souvent m'appellent, je suis pour moi. Parce que tu peux écouter quelqu'un qui l'a tué. À ta moment, il sait que mon papa, il l'a mangé avec Agbessi. Donc, plus les sorciers font des aveux, moi, ça me rappelle des choses passées. C'est bien, très bien. Amen. Et moi, je fais ça avec passion. Parce que je sais. Et que le combat que je mène, parce qu'on détruit ma famille, il ne faudrait pas que les sorciers puissent détruire d'autres familles. C'est ça que je prends mon temps, ça. Je prends mon temps. Pas parce que j'ai envie de vous voir, vous regarder. Mais je me dis, ton problème, on doit régler ça proprement. Quand vous voyez les sorciers, les sorcelleries, là, je prends ça comme si c'était moi. Parce que j'ai été moi-même déjà victime de ça. Donc je me mets dans votre peau. Et puis je règle le problème. Comme, pas comme tu veux. Oh, le seul problème, vous voulez qu'on règle vos problèmes comme vous voulez qu'on règle. Ça ne pas une semaine, ça ne pas deux jours. Mais le combat, il y a des victoires, ce n'est pas forcément. Regardez, je vous ai enseigné ça sur la tête. Moïse. C'est pas aussitôt, malgré que Dieu est avec Moïse. Mais Moïse, c'est juste au coucher du soleil. Il a fallu le soutien de Hur et Aaron pour que les données changent de camp. On dit amen. C'est ça qu'il faut être patient. Moi, je ne suis pas un prieur. Je suis un apporteur de solutions. Amen. Mais les gens vont prier pour toi. Tu vas mettre le même problème est là. Or, moi, j'ai cherché à voir comment faire pour t'aider. Tu vas sortir de la situation. Et tous ceux que j'ai aidés comme ça, ils ont été toujours délivrés. Je ne suis pas un problème de sorcellerie. Je suis patient. Mais le jour où il te dit, frère, ta situation là, j'ai le contrôle. C'est fini. Tu vas te guérir, te délivrer et c'est propre. Amen. Oui, on dit quoi? Qui t'a donné? C'est mon grand-père. Comment il t'a donné? Quand de moi, je sais qu'il m'a donné. Ma vie en vient de l'homme. Quand il a fini de manger ça, là, je voulais pas savoir les choses. Et je vois les gens qui disent qu'il n'est pas porté à vie. Jusqu'à la nuit, quand la nuit, il est venu me chercher. Ça, on est parti au camp là-bas. Quand on est parti au camp là-bas, ça, il m'a dit qu'il envoyait ma maman. Ça, il envoyait ma maman. Oui, elle mangeait. Lui, papa. Oui. Donc, ça veut dire que quand on les initie à la sorcellerie, ils doivent forcément donner un élément. C'est-à-dire, si tu ne donnes pas une personne, tu n'as pas droit à la parole. Or, pour l'initiation, ils vont te donner un aliment, ça, ils vont te donner quelque chose à manger, tu vas manger. Après avoir fini de manger, ils vont te réclamer quelqu'un. C'est un pacte. Ils te disent que tu es courageux. Si tu as pu tuer ta maman ou quelqu'un de chien, tu pourras accomplir toutes les missions. Or, dans la confrérie, ils ont besoin des gens qui sont courageux. Tu peux pas les plaisanter. Allons-y. Elle est belle, non? Ah, vous voyez les petites filles, vous les regardez. Maman, la petite là, elle est vraiment. Va dormir avec elle. Elle va sucer ton cerveau, on dirait des gueules. Maintenant, tu te lèves dans mon tête. À la petite, elle a fini le cerveau. Elle a mis des mains des gueules. Elle va prendre le cerveau là. L'embrasse, non? À cause des sorciers, maintenant on a peur. Mais le monsieur ne disait pas qui il est. Maman, viens. Tu viens, oui. Allons-y, tu le suis, on est mouton. C'est ça ce qu'il va te faire. Après, je vous dis non, ma chance est partie. Celle-là qui même tu as embrassé, là, tu sais pas qui elle est.
Or, le diable, les démons, là, les sorciers ou les sorciers, et quand vous vous embrassez, c'est parce que l'aspect physique les intéresse. C'est ce qui est en toi, là, qui prend. Il y a quelque chose qui est en toi, qui le récupère et ça va être ça. Amen. Allons-y. Une fille qui a tué sa maman, c'est pas toi, petit monsieur, qui vient la draguer, la peut pas manger. Tu as tué le fils de ta tante. C'est-à-dire, après avoir tué ta propre mère, tu as tué le fils de ta tante. Ok. C'est-à-dire, elle était d'abord initiée à la sorcellerie. Vous comprenez? Elle va tuer sa mère. Son cousin, et elle se retrouve à Divo travailler comme servante. Voici son histoire, allons-y. Or, c'est un travail, ça continue partout. Si on a fini là-bas, on va où on exerce le travail. Allons-y. Quand il s'est venu, ma petite, le premier jour, mon grand-père vient me chercher à Divo ici. Oh, il n'y a pas de distance, c'est-à-dire, on l'a initié, non? C'est un élément. Elle peut être ici à Dibo, et puis la nuit, elle fait la sorcellerie. Allons-y. Quand on s'en va, tu m'amènes à 4h, à la maison ici. Réveille, l'aurore, 4h. Sorcier va travailler quand même à 4h, il est obligé de rentrer. Allons-y. Jusqu'à quand il vient me chercher toujours. Quand il était venu même au matin à la maison, quand il venait, il y avait un groupe qui venait attaquer la famille, la maison. Donc jusqu'à quand il partait là-bas, c'est ça, il est sûr rentré dans le groupe là. Quand il a commencé, quand il venait, là, il y a une comme si. Quand tu es venu, oui papa, qu'est-ce que tu as fait dans la maison? Quand je suis venu, je souhaitais le mari de ma tante. Et il a pris la chambre de ses enfants. Et il a gâté son mariage. Il a pris la chambre de ses enfants. Non, tu sortais avec quoi? T'avais quoi? Je couchais le mari de ma tante. Tu fais comment? Quand je tape deux fois et puis mon fils, et puis je couchais avec lui. Hein? Non, doucement. Oh, doucement, s'il vous plaît. Laissez-nous avancer dans les aveux. Gardez vos sang-froid. Écoutez-nous tranquillement. C'est-à-dire, toi, tu deviens garçon. Oui, papa. Puis ton kiki sort. Oui, papa. C'est terrible, hein? Le sujet pour moi est très sérieux. Tu fais comment? Oui, papa. Ton kiki sort. Oui, papa. Vous voulez que lui couche à tout ça? Tu fais que lui couche à lui ou mais c'est lui qui couche à lui? Non, c'est moi qui le couche à lui. Quand je vais rentrer, je me transforme en souris. Quand je rentre dans la chambre pour m'attendre. Quand je vous savais, je me transforme en homme. Et puis je souffle les deux, puis les deux dorment. Et puis je les déshabille le coucher. Qu'est-ce que tu recherches en faisant ça? C'est-à-dire, en couchant le monsieur, là, qu'est-ce que tu as gâché dans sa vie? Tu les cherchais quoi? Parce que on est de sorcier, tu ne peux pas aller coucher comme ça. Ce que j'ai cherché en lui, c'est gâter ma mère de ma tante. Gâter son mariage? Oui, papa. Parce qu'il va se marier ma tante. Vous t'entendez, tu n'as rien à voir la famille. Et quand je suis venu, il y avait la famille qui venait à la maison. Non, je parle de toi. Pardon. Tu n'as rien à voir la famille. Pourquoi tu veux gâter le mariage? Quand il suis venu, il y a un petit, c'est la soeur de ma tante. Je ne comprends pas ma question. Toi, tu n'as rien à voir avec la famille. Mais tu cherches à gâter le mariage. On m'a dit que je fais ça. Oui, mais est-ce que tu as dit ça aux gens? Non, je n'ai pas dit ça aux gens. Si on m'a dit de faire, oh, les gens t'ont recueilli là. Hein, ce sont des tuteurs. Si on m'a dit quelque chose qui n'est pas bon, tu veux, tu parles de ça aux gens? Je suis venu, ils m'ont dit que non, de vous détruire le foyer. Quoi, toi, tu n'as pas fait? Non, papa, il n'a pas dit ça. Parce qu'il était dedans. Si il a dit ça, ils vont me frapper dedans. Tu préfères frapper que le foyer n'a pas été gâté. Frapper, elle ne fait pas mal. 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 Donc, tu préfères gâter le foyer. Oui,
Donc le monsieur, quand il se réveille le matin, il y a fâchement, il a sa femme bizarre. Hein? Oui, papa. Quand il y a fini de faire ça, il y a plus chance de faire ça. Pour aller mettre dans le canari de mon grand-père. Le monsieur est là. Avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas pour vous humilier, mais c'est pour prier pour vous. Venez. À cause des affaires de sorcellerie, là, maintenant, là, nous autres, là, quand même, avoir servante, ça fait peur. Mais envoyez le scanner, il y a scanner ici pour ça. Ok. Mets-toi ici. C'est lui, là? Oui, papa, c'est lui. Tu fais quoi? Je couche avec lui, papa. Non, c'est vrai que vous riez, mais c'est sérieux, quoi. Voilà, je veux que les soins de l'amusement, là, c'est plus sérieux que tout ce qu'ils sont en train de faire. Et on ne l'a pas envoyé ici pour... Mais ça fait partie de d'une action. C'est pour le délivrer. Tu fais comment? Tu fais comment? Moi je tape deux fois. Tu dis quoi? Et puis ça sort. Non, allez, c'est bon. Je tape deux fois. Et puis mon fils sortit. Oh, toi tu es femme? Oui, papa. Et pourquoi tu dis sortir pour que le sodomise? Et puis, pour avoir la vie, il y a une voix. Je n'ai pas compris. Vous ouvrez, là, c'est quoi? Ici, là. Hein? Oui, ici, là, on enlève ça. Et puis, là-bas, c'est pas. Ici, là, c'est quoi? Moi, j'aime les questions, hein? Ici, là, c'est quoi? C'est pour toi, là, tu enlèves ça. Tu prends vos garçons, là. Mais là-bas, c'est pour femme aussi. Ça y est. Quand tu tapes là, c'est que tu viens. C'est là-bas là. Est-ce que vous avez compris? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Quand je tape deux fois là, on te dit c'est mais ici là. Ça a été technique pour faire là-bas là. Qu'est-ce qui vient? Vous femmes dans là-bas là. Donc ici là c'est petit. Ou là-bas là c'est grave. C'est les questions qui te posent là. Dans ton cœur, c'est ce qu'ils sont demandés. Pourquoi pour ici là ça quitte? Donc, c'est pour là-bas là qui est costaud, c'est ce qui vient. Mais c'est pas catégorie. Vous comprenez? Puis tu le déshabilles. Oui, papa. Et sa femme fait quoi? Sa femme dort, lui-même aussi dort. Ça, c'est un viol. On appelle ça chat noir spirituel. C'est un chat noir spirituel. Tu vois, tu es là, tu dors, tu as l'impression de faire l'amour d'une femme, puis tu éjacules. C'est ça. Tu es mouillé. Elle est venue s'asseoir sur toi. T'assois sur lui ou bien c'est lui qui monte sur toi? Non, c'est pas lui qui monte, c'est moi qui m'assois. C'est toi qui monte sur lui. Et tu as gâté. Il a gâté, il va se marier. Et puis il a gâté, il se l'a marié, pas qu'il va donner l'argent à toi. C'est vrai? Souvent ça arrive. Vous ne donnez pas l'argent à votre femme. Souvent ça arrive. Pourquoi vous vérifiez l'information? Souvent vous arrivez, n'est pas touché votre femme, excusez-moi. Quand vous touchez même, ça ne vous dit rien. C'est vrai que c'est des choses intimes, mais j'ai besoin de cette information. C'est vrai. Quand vous touchez, non, vous ne voulez pas. Ok. Ça veut dire que déjà, la machine est déjà en place pour détruire le foyer. Vous voyez, j'ai prêché de parler de ça tout à l'heure. Or, quand il y a ça dans la famille, c'est fini. Donc, c'est ce qu'on appelle. C'est vrai que les gens disent que mari de nuit, et une femme de nuit, nous, on n'appelle pas ça femme de nuit.
On appelle ça femme esprit. Pas femme de Dieu. C'est pas forcément la nuit. Même si elle a besoin de lui dans la journée, elle le gère. Or, tout ce que vous appelez femme de nuit, mari de nuit, ce sont la sorcellerie qui est derrière ça. J'ai un monsieur que j'ai rencontré à Fresco dans un village, à Zegregoué. Lui, sa spécialité, il te regarde, il te salue. Et il a sonné une jolie fille. Le soir, il est dans ta chambre. Oui, il est dans ta chambre. Il finit et puis il s'en va. Mais lui, il ne drague pas. Pour lui, il fait ça spirituellement. C'est dangereux, la sorcellerie. Or, il n'y a pas de lien. Justement, pour rendre un service. La femme est là. Je sais que vous avez bien votre femme. Très bien. Or, c'est ce que le diable a brisé. Le diable va briser l'amour. Le diable, c'est ce qu'il veut. Il n'aime pas les points où l'amour se pratique. Il n'aime pas ce genre de trucs. Or, lui, il met la haine. Il met tout ça. Puisque lui, dans la nuit, le diable vient travailler. En temps normal, qu'un monsieur qu'on va venir vers toi, on le met en prison. T'as quel âge? 16. Ah non, c'est 16 ans. Il dit 16 ans. Non, ça aide, j'ai posé la question. Pas à toi. Ok? Ça aide, j'ai posé la question. Laissez-moi continuer mon travail. Sinon, il risque de déposer le micro et aller dormir. Voilà. Je suis en train de l'aider. Donc, n'amenez pas des choses qui vont. Même si elle est sorcière, elle est en train d'être délivrée de la sorcellerie. On n'a pas la même manière de voir les choses. Moi, je vois une personne victime que je veux faire sortir. Hein, c'est une confrérie. Or, si elle sort de là, c'est une victoire. Si elle reste encore là-bas, elle va continuer de détruire. Si elle sort, c'est une victoire. Qu'est-ce que tu as fait? Puis, il y a une chambre de ses parents. Pour aller mettre ça dans un mari de mon grand-père. Puis, quand il était venu, il était dans son accouchement, il y a mis Fion dans son ventre. Pour que ça se casse dans son ventre, puis l'enfant l'a peur. Mais Fion n'est pas passé dans son ventre, c'est cassé aussi. Puis l'enfant, elle l'a embouché. Quand l'enfant l'a embouché, il y a eu le sang des enfants. Comment tu fais pour faire tout ça? Quand il était venu, la mère était à la maison. C'est quand il suis rentré dedans. Comment tu fais pour détruire? C'est-à-dire que je ne veux pas, c'est pas une confrérie d'un village. On allait chercher les membres de ta confrérie. Ce que toi tu as fait là, c'est que j'ai besoin comme information. Comment tu écris là? Hein? Tu as compris? Je vais aller l'écouter. Comment on se nourrit? Il n'y a pas de parler pour Abissab, hein, ça n'a rien à vous abuser. Tu t'entends même, tu sais où on achète Abissab. Petit sang de bébé là, tu bois. Oui, papa. Et le bébé, il est où? Il a eu un problème d'anémie? Oui. Vous comprenez? C'est-à-dire, je vérifie l'information. Il a eu l'anémie. Et puis les gens ne veulent pas qu'on combat les sorciers. Pourquoi vous parlez toujours des sorciers? Quand quelqu'un dit ça, ça m'énerve déjà. Pourquoi toi, tu es là, c'est des sorciers, tu parles? Tu sais ce que les sorciers font comme des gars? Quelqu'un dit, il tue. Moi, vous ne pas qu'on parle de lui. Quand il y a eu la fièvre, dit Ebola, là. Pourquoi les gens ne commencent à combattre la fièvre? Ebola, là, ils commencent à combattre ça. Parce que c'est dangereux. Mais sorcier, il tue. Vous ne voulez pas qu'on parle de lui? Regardez, laissez-moi manger. Où est l'enfant? Il a été plusieurs fois animé. Puis
l'enfant malade. L'enfant malade. Surtout condamné. Condamné. Un million de garçons. C'est que qu'il a dit pas son sang en grève bizarre. La sorcière est élue. Et les enfants sont là tous les enfants. Oui, donc ça reste là. Non, non. Tous là. Ok, venez. Merci. On va boucler le dossier aujourd'hui. On va finir le dossier aujourd'hui. Il y a longtemps le dossier là. Je sens qu'il faut finir ça. Donc la chance, c'est comment la chance? La chance, c'est en rond façon blanc. Ça est comme une balle, mais pas balle. Ça est comme papier parce que c'est rond. Tout est blanc. C'est comme ça, ça y est. Vous voyez donc? C'est pas votre aspect physique qui les intéresse. C'est le côté spirituel qui les intéresse. Donc vous voyez que même la présence d'une personne sorcière dans votre maison, c'est un danger. Or, c'est cette chance qu'on appelle l'aura. Quand c'est éteint, l'enfant n'a qu'à aller à l'école, les zéro, il est zéro là-bas. Lui, t'as pris quoi? Lui, il est attaché. En plus. Oui, papa. Il est attaché. Oui, papa. Où? Au camp là-bas. Tu vas me garder, tu vas aller manger. Oui, papa. Hein? C'est là. C'est là, je le connais, elle ne connaît pas ma fille. Les deux. C'est zéro, zéro, zéro. C'est là, tu as fait quoi? Il y en a deux, tu vois qu'elle va connaître papier. On va connaître papier. Et c'est là. Mais ça, il est faux. C'est deux. Vous avez les huiles là. C'est un esprit bio. Ok. Là, c'est peut-être Amélie, c'est ça? C'est vrai qu'elle a pratiqué la sorcellerie, mais en même temps, elle dit la paix. Et puis, elle dit. Je pense que vous devez comprendre le bien fondé de cette action. Je ne veux pas dégager des animosités, dégager des choses dans le cœur, non. Laisser Dieu la vengeance. La seule chose, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, va dévoiler, la démasquer, dans le but de pouvoir vous délivrer. Elle n'a pas fait des aveux pour qu'elle soit poursuivie par vous demain, pour qu'elle puisse l'attaquer ou en l'amener en justice. Non. Laissez Dieu qui a commencé, il peut l'achever parfaitement. Quand vous allez laisser les humains gérer ça, Dieu sera se retirer. Or, c'est Dieu qui est en train de gérer la chose. Amen. Oui. Non, non, on va arriver. Je vais parler des enfants d'abord. Oui. Voilà, voici comment nous procédons ici. Voici notre méthode de travail. Quand les gens sont victimes, nous faisons une rencontre entre le sorcier et la victime. Et le sorcier parle. Or, ils ont le pouvoir de la parole. Une fois la parole prononcée, nous brisons les choses. D'autres diront, mais il y a le sorcier qui m'a fait ça et qu'il est mort. S'il est mort, nous avons aussi notre action, est prophétique ou détruite. Amen. Voilà. Quelque chose. On va commencer à parler. C'est que tu appelles là, c'est moi qui dis ça. Je suis élu. Non, c'est lui à partir d'aujourd'hui, il est plus touché avec toi. C'est qui est plus de me cacher, de me habiller, de venir faire l'amour avec toi, ça va finir. J'ai détruit ça, pour ne plus que j'ai accès à ton âme. À partir de lui, il est sorti avec toi. Et puis il y a quelqu'un qui a fait que quand il est pas mal, vraiment il a bloqué tout ça. À partir de lui, c'est il y a plus de chance de aussi. Oui, d'abord. Oui. Toute forme de pratique de sorcellerie sur ta vie. Au nom de Jésus est détruit maintenant. Je libère ton âme, ton esprit, tout ton être par la puissance devant le sang de l'agneau. Je déclare libéré pour qu'aucun sorcier n'ait désormais accès à ton âme. Au nom de Jésus. Amen. Les enfants venez.
Lui, tu veux le manger? Oui, papa. Il t'appelle quoi, le petit? Papa, il m'a rien fait. Va le manger. Oui, papa. Tu l'as transformé en quoi là-bas? Je l'ai transformé en mouton. En mouton. Sorcellerie, c'est dangereux. Hein. T'as dit après les sorcellers, peut-être que nous n'avons pas dit aujourd'hui. Allons-y. Il n'a pas de nom. Il s'appelle Michel. Michel, il est un. Puisque tu es ma bouche, il est un. Non, tu parles dans ta gorge. On ne te poursuit pas. Je te détache. Qui? Michel. Je t'attache. Michel. Je te détache. Je fais telle chose. J'annule ça. C'est quel nom c'est? Michel, je te détache. Michel, ouais, tu veux le manger à Pâques, ça t'énerve. Non, papa, c'est pas. Allez le manger à Poupou. Sauf graine. Je te détache. Tout ce que j'ai fait, c'est un nuit. Michel, Dieu te bénit, Dieu amène. Mon âme attachée, ça fait vert là-bas. Je détruis, c'est ce qu'on appelle la programmation des morts. Vous comprenez? L'âme était attachée, c'est programmé. J'annule tout comme de programmation des morts en libérant ton âme, ton esprit et ton être. Je libère toutes les grâces au nom de Jésus-Christ. Aucun sorcier n'a désormais accès à ton âme. Au nom de Jésus-Christ, j'ai pris le nom. D'accord? Ramène toute ta chance, toute cette grâce, mon intellect au nom de Jésus. Et je prie, Amen. Amen. Pendant que nous prions, la restitution se fait en même temps. Allons-y. Je libère ton esprit et ton âme. Je détruis toute présence de la sorcellerie dans ta vie. Je proclame ta délivrance maintenant. Au nom de Jésus, j'ai prié par la vie. Viens. Qu'est-ce que tu as fait, la dame? J'ai fait qu'elle gagne pas de travail. J'ai fait que le papa va se marier avec son mari. J'ai mis Fayou dans son sein. Mais cela vient de vous, Marie-Chan. Je proclame ta délivrance maintenant même. Comment? Ténèbres, le lâcher, toute ta vie, ton esprit, ton âme, toute ta vie, comment lâcher ta chair, lâcher tout ton être. Par la puissance qui est dans le son de la vie. Je garde ta délivrance maintenant. Go!
vient ici. Comment? Libérez son âme et tout son être par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère toute sa vie. Je libère toute sa destinée. Dans le nom de Jésus, je proclame ta délivrance maintenant là. Dans le nom de Jésus. Allez! Je te libère maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Feu! Comment? Je proclame ta délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux pas. Tu vas lâcher sa vie. Tu vas lâcher sa vie. Tu vas la libérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère-la. Au nom de Jésus. C'est ça. Je vais la conduire. Je vais la conduire.